18h48, on va attaquer le deuxième entraînement de la journée. J'ai les jambes, elles sont mortes. K.O. On va faire prépa physique. Et. Let's go! Yes! You gotta turn me up in the headphones some more. A little bit more. It's the team. Turn me up, Cruz! So many motherfucking hunters, you gotta make it part two. I'm not in competition with my homies and women in competition in the boat. I knew my opposition never knew me, they wouldn't be opposition at the moment. I made a proposition to my hitters, I told them to knock them down if you owe me. I didn't decide where I'm hitting, feeling the movie. Got pounds in the 40s, them niggas got knocked down. We was on my homie, a hot now, so we on. I was like 16, with the leg on me deep in the field like a spot roller. Running the shit scene, niggas cracked on me when they got real, try to slide on me. I made some meals, quit the guys on it, we keeping it real, nigga, not. And my homie at 7, got put in a casket and I'm mad at him cause he died on me. Just left his viewing and I told his mom every time that she cried we gon' slide on him. I look you niggas right dead in the eye and I ain't surprised you ain't ride for it. How would you feel if you bust a mill with some niggas and they suicide on him? How would you feel when you so lit that you can't tell if the love real? If I can't tell you nothing, I tell you how I thug feel. Then you ain't rich nigga, your stash can pay my drug bill. Pussy. Nigga, this spend some pain, pullin' expensive rain. Nigga, I spend some chain, he got drug money. That's the expensive game. Yeah. I got expensive shooter. Yeah. He got expensive aim. Yeah. You know it's loud, Uzi. That's the expensive name. I'm going hard on my back to the wall. I was like, dance, just pumping and faking. There's no way they matching me up. Who really gonna see me if we getting busy and we seeing rap when it's ball? I won't even practice, I go triple platinum and they saying that was a walk. Hey. I sent my rally up to a rich mill. When the kitchen with some y'all nigga trying to tell them how this rich shit really feel. You ain't never been in the field with them late nights off in the grill. Don't play white block, don't sell like Josh, ain't no bitch. I was a rich nigga in prison. I was shutting up, niggas running around. I was a rich nigga on the list. I was motivated, I was watching movies. I was putting a nigga in the kitchen. L'entraînement fini, il est 22h. Demain, j'ai un train à 5h du matin. Je suis mort. On va enlever tout ça. On va se peser. Voir si j'ai perdu du poids, j'espère. Donc, vous allez voir ça de suite. Je dois être à 72 kg. Je suis arrivé à Paris. J'étais à 81 kg. J'ai perdu facile 5 kilos là, je dois être à 76, 75 je l'espère. Donc on va voir ça. Mais au moins je suis à 76. Donc j'ai perdu 5 kilos déjà sur. Ça fait 3 semaines que je suis à Paris, là j'attaque la 4ème semaine. Et voilà. Bon, 76,2. 76 même. Franchement c'est bien. Sachant que je sais que je suis plus bas parce que j'ai bu tout ça et tout. Je pense demain 74. Fin de la semaine 73 et ça va être carré. Ça va être carré. On est bien, franchement on est bien, bien, bien. Je suis content, là je commence à me sentir bien, j'ai plus trop de douleur. On est à 3 semaines et demie du combat. 4 semaines, 3 semaines et demie du combat.
faire ça bien du coup. Je vais raconter mon histoire, donc je vais raconter le nom de mon métier. J'ai 20 ans. Je suis originaire d'Aix-en-Provence, dans le sud. Faut savoir, j'ai commencé la danse très tard, non ? Donc il y a 3-4 ans de ça, on est 16-17 ans. C'est une histoire de famille chez nous. Donc, j'avais le papa qui est boxé, qui est mon entraîneur, dans le métier. J'avais mon oncle qui est décédé en accident de moto, qui a été champion de France. L'arbitre de mon métier qui était très prometteur. Et après, j'ai les oncles, les autres oncles, les cousins et. Moi qui arrivais par hasard dans ce sport. Et on va dire que je vais raconter, je suis un peu rentré dans les détails, je vais rentrer dans notre personnel un peu, mais moi là, j'ai jamais toujours trop été impliqué dans ma vie dans ce que je faisais. Et quand j'ai découvert la boxe, ça a été la première chose pourquoi je me suis impliqué dans ma vie, ça a été la première chose pourquoi j'ai su me lever tôt le matin. Parce que pour moi, nous les boxeurs français, on a du talent. On a du talent, c'est juste que pas autant avec quelqu'un et je vais montrer ça. Je vais sortir de l'originaire, je vais vous montrer pourquoi je suis capable, montrer pourquoi j'ai fait tout ça. Et c'est là que j'ai tout pour prendre un gagner dans mon balance. Parce que je suis un peu la poursuite de l'art de mon métier qui est mon oncle. Donc beaucoup de gens disent que je vais poursuivre ce qu'il n'a pas pu faire, c'est-à-dire atteindre le pain mon job. C'est aussi un objectif personnel pour mon père, pour moi. Et j'ai toujours promis à mon père, je serai invaincu, que je lui ramènerai mon monde et tout. Il me disait beaucoup, il faut que tu arrêtes un peu de rêver, la boxe c'est un sport très dur, des fois tu descends ton nuage parce que c'est pas comme ça. Et à 50 surprises, j'ai réussi à être invaincu, j'ai réussi à lui ramener, pas le monde encore, mais on va dire un petit bout de monde, c'est cette ceinture mondiale qu'on a vu aussi. Et maintenant il y croit, il sait que je peux y arriver, c'est le premier à dire à moi, c'est une petite anecdote qui fait que je pense que je vais pouvoir lui faire atteindre son objectif et son rêve. Yeah, pass it off to all of my bitches, you know they ship. Passing all these cigarettes, you know that it's not a pick. Yeah, my hands are dirty, kinda sticky. Yeah, that's probably cause I'm really sick of you. Feu, j'ai les mollets sans feu. Donc là, on va faire un petit bain de récup avec la fin. Et voilà quoi. Vous allez venir avec moi. Oh, waouh! Attendez. C'est pas déjà un petit ça. Ah, arrête, pourquoi tu fais ça? Je crains pas de toute façon. Je suis un guerrier moi. Mets-le sur ma tête si tu veux à la rigueur, mais. Oh non, voilà. Oh là là, ça va piquer. Valentino, sois gentil avec moi s'il te plaît. Allez, à toi là. I can see the future is looking like we leveled in the stars. I can't wait to live in glory and eternal justice. Won't you take away my love? I recognize your stars. Might as well turn up now. He gon' pop up unannounced to the jumpers. Do you like the way it sounds?
know the future. Voilà, on va se tester à FIFA. Il croit que même avec l'OM, il va me battre, Mesken. Attends, parce que, mets dans le contexte. Là, on va faire un match FIFA. Ça va être lui contre moi. Il va prendre Paris, je vais prendre l'OM. On a une pâtisserie. Le gagnant, il paye une pâtisserie à l'autre de Cédric Grolet. Ouais, du coup, Cédric Grolet, c'était mort. J'ai changé de coupe, c'est normal, je ne sais pas faire. C'était fermé, il n'y avait plus rien. Du coup, on est parti à la durée, prendre des Big Macarons. Et un truc là, comme ça, là, Jade, je sais pas quoi, là, prendre des chocolats et un stand. Il faut essayer de nous réconforter, même si ça ne marchera pas. Voilà. Il a des bâtiments à Casa. Toi t'as cramé ta gueule dans les casses. T'as laissé un cheveu sur la caisse. Ça peine à de tarot de revenus. De calibre et de bénéfices gros. T'as vu les petits, t'as fait le 6 gros. Ils t'ont mêlé donc t'es revenu. N26 ou Revolut. Si ma cam ou les barras. Affaire nous résolue. Cavale peut coûter un bras. Mais les keufs dans l'embarras. Laisse une pièce à la baraque. Ça monte chez toi comme en Irak. RS c'est pas Cadillac. Je m'entends sur une île paradisiaque. J'ai qu'un abeu qui parle peu. On se montait sur un thé. Ça fait des peines à deux chiffres. Mais ça les fait sur un pied. Y'a un 6 coups pour 6 mecs. Laisse les porteurs dans les 6 mètres. C'est comme ça, c'est la rue. C'est rien, c'est la rue. La jalousie est pleine de vis. Des mythos dans le rétro. Ça roule en camo très tôt. Ton train de vie avant ton train de vie. Y'a un 6 coups pour 6 mecs. Laisse les porteurs dans les 6 mètres. C'est comme ça, c'est la rue. C'est rien, c'est la rue. Pour finir ce magnifique épisode, je vais vous donner une petite surprise, une avant-première. Rendez-vous le 14 octobre au Pasino. Vous allez voir une petite surprise. Oh, le code Wi-Fi, ALONZ 2054 13015 MARS MAME. Yeah, même pas essoufflé, tu devais me baler. Que je nique le game, que je nique tes morts, voilà j'ai tout fait. Je connais le croupier, tu vas te coucher. On va lui mettre au fond de la gorge, elle va s'étouffer. Oh merde, ils ont s'est douté. Goûter, c'est juste le goûter. J'suis trop déter pour le cathéter. J't'envoie mon couplet, coupé et le merco pucé. Ta défaite sera cuisante. Sur la tête de mes gens. J'vais prêter allégeance. Nico, augmente les fréquences. J'vais tout faire futer.